Martini vous est présenté par Ariat et westernstore.be, la plus grande boutique en ligne western. Bonsoir, on est de retour au Montarine. Ça y est, ce week-end NBHA est terminé. Je suis avec Julie qui gagne le barrel Youth, Clara qui gagne le novice et l'open, et puis le maître des lieux, Julien Tortorin. Première question, Julie, ton week-end, c'était cool, en plus c'était en ton honneur, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors ça s'est bien passé, j'ai fait de jolis go, j'étais très contente de mon cheval. Et hier j'ai passé un super rodéo, c'était juste trop bien et voilà. Bon maintenant dans une quinzaine de jours, 3 semaines tu pars aux États-Unis. Maintenant la balle est dans ton camp, fais-toi plaisir, en tout cas on était tous là ce week-end, enfin tous les riders étaient là pour toi. Donc maintenant t'as plus qu'à kiffer et puis tu nous envoies quelques petites cartes postales quand même, oui. D'accord. Clara, bah toi ça s'est bien passé, j'ai envie de dire que tu continues sur ta lancée. Depuis que tu as récupéré Dark, bah tout est nickel. Bah, j'espère, en tout cas j'essaie, je travaille pour. Mais voilà, faut quand même continuer à bosser. Mais je suis contente de mon cheval, c'est vrai, c'était bien. C'est quoi les objectifs cette année? Bah là ça va être Lyon cette année, ouais. Lyon principalement, et j'aimerais bien partir au Brésil, moi, chez Shannon. Wow. Et voilà, les deux principaux objectifs là pour cette fin d'année. Bah t'as du boulot quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, félicitations parce que tu nous as fait des super go, t'as fait le meilleur go du week-end, je crois. Donc ouais, félicitations, on te revoit bientôt, tu viens à chaser ou pas? Non. Bon, bah on te verra la prochaine fois. Julien, j'imagine que tu dois être un petit peu fatigué, même si t'as fait que du tracteur toi au final, voilà. Ce week-end. Non, ça a été un bon week-end et vraiment une bonne ambiance et voilà, tout le monde a joué le jeu et ça, ça fait plaisir. Et puis voilà, et puis là, la saison continue et on va tous partir à chaser la semaine prochaine et puis après les États-Unis et voilà. Ouais. Bon, j'imagine que t'es comme les enfants, t'es comme un gamin de partir là-bas, non? Ben ouais, pour moi aussi c'est la première fois donc ouais, il me tarde maintenant, on va compter les jours. Ouais, j'imagine. L'actualité, le mois prochain, enfin non pas le mois prochain mais au mois d'août, tu organises avec le roping quelque chose, tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, donc pour le week-end du 15 août, pendant 4 jours, on organise ici dans le Var donc une compétition, donc rodéo tous les soirs et avec plus de 30 riders, du barrel, du pole. Et tous les jours aussi run-shorting avec 100 équipes de run-shorting et tout. Donc pour nous, c'est aussi une première. On va essayer de faire ça bien et que ça se passe nickel, mais il n'y a pas de raison. Voilà, on va se régaler, je pense. Bien se passer, je pense que ça va bien se passer. En tout cas, on a passé un super moment, nous, ici, au Montarine et aussi chez Marc, voilà. Au roping. Merci à tous pour ce que vous avez fait ce week-end. Merci à toi de nous avoir reçus. On se voit la semaine prochaine à Chazé, dans d'autres circonstances. Merci de nous suivre. Rendez-vous sur la page Facebook pour suivre toute l'actualité du barrel et du rodéo. Et moi, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Merci, Turn.